Hello les gens, voici pour un nouvel épisode de Prototype. Et dans le dernier épisode, nous avons eu le gros thème principal, l'hémotoxine, donc ce gaz qui neutralise nos pouvoirs et qui nous tue à petit feu. Et on avait eu deux missions contradictoires par rapport à ça. Nous avons dû, là, en première partie, détruire des fûts qui étaient éparpillés dans la ville, qui lâchaient du gaz, donc lâchaient cette hémotoxine qui nous tue. Donc on a dû en détruire une bonne dizaine. Puis après, notre informateur nous a clairement dit qu'il fallait amener un convoi exceptionnel d'hémotoxine à Central Park, parce que c'est la zone la plus propice pour répandre l'hémotoxine, mais dans les sous-sols. Pourquoi dans les sous-sols? Parce qu'en fait, il paraîtrait que Elizabeth Green et tout le reste du virus, hein, les parasites et autres, seraient dans les sous-sols de New York. Donc il faut l'en déloger, hein, ce qui va être assez drôle. Donc voilà, oui, je dis ça va être assez drôle et je parle en connaissance de cause parce que sincèrement, je vais déjà prendre de la vie parce que je vous avoue, si je pars comme ça en guerre, je vais pas aller loin. Parce que en fait, c'est pas la première fois que je tourne l'épisode, pour être franche avec vous, donc je sais ce qui va se passer. Et je sais que ça va être d'une chiantise pour moi parce que c'est, comment on va dire... très casse-couille parce qu'on doit protéger un objet de série d'attaques, hein, d'assaut, ce qui est assez pénible. Et donc dans le dernier épisode, c'était pas très intéressant. Non, dans le dernier épisode, dans l'épisode que j'ai tourné et que vous ne verrez jamais, j'ai tellement ragé que j'ai rage-kick le jeu. Je vais y arriver. Oh, j'arrive plus à parler. Donc pour vous éviter que je rage comme une dingue, je retourne cet épisode, hein. Et voilà, donc j'ai ma santé qui est pleine. Donc là, je vais m'en aller comme une fleur, et on va direct à l'objectif. Donc, si je rage un peu trop, j'en suis navrée, mais ça devrait un peu mieux se passer que quand j'ai tourné, on va dire, en off. Je veux dire que j'ai tourné en off, parce que... Et non, j'ai même pas gardé des résidus comme quoi j'ai fait l'épisode, hein. Ça m'a tellement ragé que... Ah non, ce passage-là est chiant. Ce passage-là est très chiant et très pénible, et j'aurais dû changer d'arme avant, mais c'est pas grave. Okay, let's see what we can shake loose. Bon. Ouais, ça sert à rien. Oui, je peux me présenter en Alex Mercer. Pourquoi? Parce que... les militaires n'ont rien à foutre parce que vous allez comprendre pourquoi. Bon, moi je tourne en rond, je fais... Donc comme vous lisez, en fait, il y a un mouvement et hop là, voilà, donc les molosses vont débarquer. Et il y aura des big molosses en plus, donc ça va être marrant. Donc faut que je protège ce truc. Et il y aura une série de 3 vagues, donc c'est assez chiant. Aouh. Aouh. Ça, pour l'instant, ils attaquent pas parce qu'ils sont trop cons. Merde, le truc est attaqué. Donc faut que j'aille vite là-bas. Aouh. Ah mon dieu, je suis dérouillé, c'est honteux. C'est bon. Il y en a un, il est mort. Ouais, mais si les militaires, ils m'attaquent en même temps. Merde, j'ai attaqué le militaire. Je veux pas attaquer le militaire, moi. Parce que le problème, c'est que si j'attaque trop les militaires, ils vont m'en vouloir, en fait. Donc, je peux vous dire que c'est très chiant, cette partie-là. Donc, 3 vagues. D'ailleurs, je vais mettre le bouclier. Ça va, il garde l'autre là-bas. Aouh. Donc, pour l'instant, ils me disent rien. Oh, j'en ai tué un sans... En fait, je veux éviter de tuer les militaires, je vous avoue, parce qu'ils me sont assez utiles. Parce que vous voyez, ils les retiennent assez bien, donc... il y a juste le truc là-bas qui se fait attaquer comme bazar. Bon, allez, vas-y, je l'attaque, le truc. Donc, c'est assez chiant, assez pénible.
Ah, surtout si je me fais tuer pour pas grand chose, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Donc au cas où, si je réussis pas, bah je vous montrerai vraiment quand je réussis par vague, parce que sinon c'est chiant. Et en plus, il n'y a pas de point de contrôle. Donc si je foire une fois, bah je dois tout recommencer à chaque fois. Donc ici. Non, laisse-moi faire ma... Hop, je récupère un peu de santé. Allez, éloigne-toi. Donc ça va, je protège mieux que la dernière fois, parce que je vous avoue que la dernière fois, déjà dès la première vague, c'était assez pénible. Allez, meurs, toi. Voilà, un mort. Je crois que c'est au bout... Non, il n'y a pas trois vagues, il y a plus que trois vagues. Parce que ça fait peut-être la troisième vague qu'on va avoir droit au... Big Molos. Putain, m'envoyez pas ça. Je crois que les armes militaires... Voilà, mes armes militaires me font pas mal, mais ça me fait reculer. Donc ça, c'est pas cool. Bon, je vais finir un peu là-dedans, parce que... Bon, là, il faut que je me barre. Pourquoi je me barre? Parce que si je me barre pas, le Black Watch va m'attaquer, donc... Keep the pump operational. That's the only thing you need to do. Out. Donc voilà. Donc c'est assez chiant. Pourquoi la vision thermique se met? Faudrait que je la désactive, ça, d'ailleurs, parce que c'est assez pénible. Hop! Donc pour l'instant, je touche du bois, je me débrouille pas trop mal. Ah, la caméra qui dit affole. Ça, attaquez-moi. Aou, aou, aou. Non, non, non. Attaquez-moi. Aou. Voilà, le Big Molos, il est là. Il est beau, il est mignon. Je vais mourir. Faut que je tue des gens, je suis désolée. Ça va être toi. Putain, j'ai pas pu l'absorber, quoi. Et je dois rester dans la zone, parce que si je quitte la zone... Ah, je vais mourir. Ah, non, 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 je vais pas mourir. Bon, faut que je temporise, j'ai pas le choix, hein. Le problème, c'est que quand je temporise, l'autre il attaque. Non! Non! Non, 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 faut que je me barre, faut que je me. Ah! Oh putain, mais non! Non, c'est assez dur et sincèrement. Bon, j'espère qu'il va quand même. C'est bon, il m'a remis le checkpoint avec le Black Watch, c'est bon. Ah bah putain, les gens, on va peut-être y arriver. Allez. Putain, il calcule ma distance, ce con.
Il me faut une voiture, il me faut une voiture. Voilà, c'est bon! Va chier, saloperie! Ah! Ah bah putain! Ah mon dieu, je sais pas si je vais faire ça en un seul épisode, je suis en train de me poser la question parce que je vous avoue. Non, non, il va me faire continuer la suite, hein. Ouais, c'est ça, il va me continuer la suite. Bon? What the fuck is that? Elizabeth? What is she? It's the big boss time! Oh fuck. Bon, ça m'a enlevé toute ma barre de vie. Réfléchis. Oui, je vais vous expliquer comment fonctionne le boss. Donc il fait des vagues. Il fait des vagues et c'est assez pénible. Voilà, je vais faire ça. Parce que ça, c'est un des moyens de le battre. Donc il y a 3 points faibles, comme vous pouvez le voir. On a touché qu'un, fait chier. Donc je vais devoir me battre comme ça, donc prendre la vie et faire ainsi. Hein. Ça va être marrant. Hop. Parfait. Non, pas ici. Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Les larves vertes, hein, bien évidemment. Ah, hop. Là, on est au plus près. Ça touche quand même. Ah ouais, ça touche quand même. Vous voyez les efforts de fou que je dois faire pour le toucher. Au, au, au. Faut que je m'éloigne et reprenne de la vie. Donc ce boss est assez chiant. Non! Il y a la vague! Vite, saute! C'est bon, je suis sauvée. Techniquement, où je m'étais mise, il n'y avait pas de problème, mais au cas où, je préfère me mettre en hauteur, parce que ça, quand vous le prenez, je peux vous le jurer que vous perdez la moitié de votre barre de vie et... Hop, un peu de vie. Trop aimable à vous. J'attends qu'il ait fini sa vague verte. Au. Putain. Ah, je fais la mauvaise méthode. Je vais mourir. Faut que je m'éloigne, faut que je m'éloigne. Donc la meilleure prendre l'angle, c'est de vous mettre dans une de ces rues. Parce que les boulevettes, elles vont jamais vous attaquer là. Je vais même plus attraper un ennemi, allez. On voit son sang. Ouais, donc je vous avoue, je suis désolée si je ne parle vraiment pas beaucoup, mais je suis en train de me concentrer pour pas... Comment on va dire, rager comme une grosse merde à cause de ce boss qui est très pénible. Et qui va durer longtemps, hein, qui plus est, hein, sinon ça va pas être drôle. Il y a un molosse qui peut être vu, là. Je vais en profiter. Ça fera un molosse de moins qui va m'emmerder. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Le gros risque de péter que je me prends. Allez. Non, trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Là, ça touche quand même. À un de ces points qui est parti, super. Est-ce qu'il y a moyen que j'en fasse un deuxième? Il y a moyen que j'en fasse un deuxième. Et juste avant qu'elle lance sa vague. Fuck yeah! Bon là par contre je sais vraiment, vraiment, vraiment plus du tout ce que je dois faire. Non, je peux juste frapper. Attends. Attends, attends, j'ai peur d'avoir compris le délire.
putain, c'est en plusieurs fois. Oh putain, c'est en plusieurs fois. Oh la merde. Non? Wow, elle me donne plein de vie, c'est... C'est quoi l'arnaque? Elle va revenir. Attends que je récupère sa vie. Où es-tu? Green? Elle va ressortir je ne sais pas où. Point de contrôle. Ok, elle est ressortie je ne sais pas aller où. Putain, ils m'ont mis devant! Bande de pute! Bande de pute! Putain, vous avez vu comment ça m'enlève ma barre de vie? Et le jeu qui rame, attendez, parce que... Wow, le jeu, il en peut plus, là. Le jeu, il en a chié avec cet effet. Il en chie encore, mais... Désolé, je l'ai récupéré de la vie, là, et... C'est pas possible. Vas-y! Putain, tu vas morfler, salope! Pas grave. Oh putain, ça m'a pris toute ma barre de vie! Ah, les putes! Faut que je me barre, moi! Putain, c'est plus efficace ça, quoi. Nom de Dieu! Bon, désolé les gens, je viens de découvrir qu'il y avait une technique bien meilleure. Enfin, si les militaires arrêtaient de m'attaquer, ça me ferait plaisir. Allez, vas-y! Et je vole. Putain, si j'avais utilisé cette technique-là, on aurait fini plus tôt. Ah, ma vie! De la vie. Donc désolé les gens d'avoir été une débile, hein, mais je pensais que l'autre attaque était plus puissante, mais en fait c'était celle-ci. Donc j'en suis navrée. Donc, ici, attends, je vais me réfugier un peu en hauteur parce que j'ai toujours peur qu'elle fasse son attaque super boom. Enfin, le temps qu'elle débarque. Hein. Voilà, elle a redébarqué. Bim! Tu ne l'as pas vu celle-là, hein? C'est vrai qu'avec la barre de vie qu'elle se paye, c'est vrai que c'est pas mal, parce que je la prends par surprise, elle s'attend pas à ce que je débarque là. Ok, c'est bon, j'ai compris le boss. Il a fallu le temps, mais je l'ai compris.
Faut vite que je me sauve, en hauteur, au cas où. Non, elle fait pas. Putain, mais lâche-moi, toi. J'ai enfin eu Elizabeth Green! Bon! Toi! Green. Je vais te bouffer! Om nom 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 nom! Bon, bah, je suis toute puissante. This is Red Crown Command, code black in progress. This ain't good. There's only one reason for Blackwatch to pull out of Manhattan. They're gonna purge the entire island. Ouais, en fait, le Blackwatch est en train de partir pour je ne sais quelle raison. Le contrat accompli. Ça présage rien de bon pour moi quand même. Ah, ok. Bon, ça nous montre que Cross a l'air d'être spécial par rapport aux autres humains, parce qu'il brille bizarrement par rapport aux autres. Ouais, bon, oui, bon, ça nous apprend rien de plus à part que les militaires vont se tailler vers Oh merde, comment ça s'appelle le nom déjà? Ah, le Charles de Gaulle. Vous voyez un peu le porte-avions, c'est ça, sur un porte-avions qui est que si non, je pense pas que je vous l'ai montré, je ne sais plus. Mais enfin voilà, donc Cross nous cache quelque chose. Nous avons bouffé Elizabeth Green, bien, après avoir du mal à battre le boss, qu'il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il y avait une attaque spécifique qui fonctionnait bien fort dessus et pas l'autre. Bon, je vous aurais évité quand même pas mal de soucis, mais moi ça fait près d'une heure que je tourne, donc je vous dis pas comment je vais me marrer pour le montage. Mais enfin voilà, sur ce les gens, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Elizabeth Green, General Peter Randall, Hope, Idaho. I gotta get to the people to know the secret of the place. And Randall, you just made the top of my list.